Salut à tous, c'est Céline Kos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Emerald en Alpha Lock Random. Allez, c'est parti, nous allons dévoiler tout de suite les lettres, en commençant par la première lettre, comme d'habitude. En même temps, on va pas commencer par la dernière. La lettre T en première lettre. La lettre B, la lettre J, la lettre G, la lettre W, eh bien ça sera la lettre V, voilà. Donc je vais procéder à un montage assez similaire que le précédent épisode. J'ai vu que ça vous avait bien plu, donc je vais continuer un petit peu. Peut-être pas aussi régulièrement, les montages, mais bon, je verrai bien. Donc on va voir qui comme Pokémon peuvent, en fait, dans l'équipe. Tu ne peux pas, il est d'elle, hein. Eh non, il peut pas. Donc on pourra pas l'utiliser. Armure, A-I-R-M-U-R-E. Il peut pas. Et il peut pas non plus, Armure, hein. Charthor, il peut. Donc, ces quatre premiers peuvent. On a deux Pokémon qui peuvent pas, hein. Là, c'est une première. Bon, allez, c'est parti pour faire cette route, quoi. Attention au Rhinophéros. C'est drôle de marcher dans les cendres volcaniques sur le sol et dans l'herbe. Tu peux voir où tu as marché, c'est trop fort, ouais! Alors, du coup, bah c'est parti, hein. On va continuer. Tu sais pourquoi il fait si frais dans les alentours? Je ne sais pas. Contre Alucard, ça devrait aller quand même niveau 19. Hein. Allez, un petit bon Burk, et ça devrait le faire. Et voilà, Houtout, appui de Houtout. Allez, c'est parti. Tu étais peut-être en train de récolter des cendres. Merci de m'avoir trouvé, mais on va devoir se battre. Et POUM! On va voir comment ça va se passer. Mais ça va bien se passer. Alors, Arke, Ramlos. Bon, ça va, les Pokémon ne sont pas non plus hyper puissants. Hein. Heureusement. Ça fait des dégâts. Ça fait mouche. Zzz, zzz. Non, ça fait moustique. Bref, c'était nul. Allez, et les canons ne ratent pas. Yes! Ah! Ça fait tellement du bien quand ça rate pas et des canons. Rhinophéros? Ah ouais! Mince! Attendez là, on a un petit souci. On a un gros souci là. On fait comment pour battre ce Rhinophéros? Ah ouais! Et on va envoyer Locoma. Oh là là, mince! Oh non! Me fais pas... Ouais, déjà on fait intimidation. Genre un Rhinophéros, je suis choqué. Acide armure, on ne sait jamais l'attaque roche hein, qui peut arriver. Oh non! Oh là 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 là, Osmorang qui fait pas des masses de dégâts, heureusement. Mon dieu, j'ai eu peur. Et tranche. Ok, ça va. Et on fait Carnariquette. Oh là là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il va faire piquer. Allez, une petite éclatroc. Pas mal. Mégaphone. Ouais, ça va. Eh non, mais... Oh non, loin de là même. Piquer. Oh, piquer, piquer. Doucement, doucement, doucement. Ok, ça va, tranquille. Et pied brûleur, ça le met KO. Waouh, plus de peur que de mal. Je vais pas utiliser un réveil tout de suite. Je vais faire en sorte d'attendre qu'il se réveille. Comme ça, on économise. Ah bah, c'était son dernier Pokémon. Eh oui. Je vais utiliser mon pouvoir de ninja. Eh oui, c'est déjà fini malheureusement, donc tu n'as pas le temps. Ah, et ça enchaîne en plus. Tiens, je ne m'en rappelais plus de ça. Tu vas te battre comme un. Mais j'ai un peu d'attraper comme un. Voilà. À votre santé, Moussaillon. Attendez, il m'a fait mal là. Oh, statique! Comme c'est sympa. Et c'est le chaos, ça c'est encore mieux. J'ai eu chaud quand même. Et voilà. Niveau 24. Et Chef Mallory a été battu. Alors, du coup, comment je fais pour passer? Je passe comme ça. Et nous obtenons un améliorateur. Utile pour faire évoluer Porygon, hein.
Et vu qu'on est en random, une pierre feu. Et vu qu'on est en random, ça sera encore plus facile. Je vais me soigner, j'arrive. Bon, allez, on continue. Par contre, je vais peut-être vaporiser du repousse. Oh, tiens, un air mûr, mais à l'état de sauvage. Et on dirait qu'il n'est pas random, c'est fou ça. Hein. Et je voudrais fuir. Bon, on va mettre du repousse, hein, je pense. Si j'en ai. Oui, j'en ai 9. C'est pas mal, 9. Allez, on continue. Ah bah, je tourne autour d'elle, mais ça va pas le faire sinon. Alors, t'as pas de chamallow, tu vas avoir quoi d'autre? Tu vas avoir quoi d'autre? Voyons voir. Spoink, 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 spoink. Il me fait quelques dégâts, mais ça va. Il devrait ex être expédié sous peu. Et les canons passent encore. Et un coup critique. Tout va bien, j'ai envie de dire. Oh, je suis exténué. Oh là là. Ah, tiens. Toutes les deux, on ramasse des cendres et on combat avec des Pokémon. Ouais, c'est trop bien. La 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 la. Oh, Teddy Ursa et Rookoops. Je pense que ça lui fera du bien. Ah, coup critique. Oh, l'épisode des coups critiques. Ah, niveau 24 pour Foudre X. Ça fait plaisir. Allez, est-ce que c'est le KO? Et c'est le presque KO. Constriction, attention. Le statique. Bon bah voilà. Allez, on se restaure des PV en plus des restes. Hein, et on le met KO. On n'a pas gagné, ça me gasse. Eh ben oui, vous avez pas gagné. Non! Oui! Et Kaiker, bien! Donc toi, tu es un ninja qui jaillit des cendres. Tu vas pas le faire long feu. Alors, oh, Nidorina quand même. Hein. Ça te fera du bien. Et on va placer un zénith. Que poison. J'aime pas trop ça. Coup critique. Et ça m'empoisonne pas. Ça va. Bon bah on va spammer les pieds brûleurs one shot. Hein. C'est parti. Allez. Pieds brûleurs. Oh, bomber quand même. Ah, il m'a fait que ça? C'est débile. Allez. Nidorina KO. Ensuite, nous avons un Tentacool. Regardez les dégâts. Ah non, ça non. Attends, ça, t'as pas le droit. Tu vois, t'as pas le droit, ça. Pour la peine, ça sera un KO. Ah bah voilà. En plus, c'est vrai. Allez, un petit dernier Pokémon et ça sera... Un tas de morve, encore un Pokémon poison. Qu'intimidation, tiens. Ça, je pense que je le savais. Et puis voilà. Allez, pied brûleur. Yom. Et voilà. Ah, c'est pas le niveau 24. J'admets la défaite avec dignité. C'est bien, mon garçon. Ya, admire l'ancienne technique. Oui, ok. De cendre, en fait, ça m'intéresse pas trop. C'est rigolo de jouer de la flûte. Ok. Bon, bah, on se fait un nouveau dresseur. Lui, par exemple. Non? Ok. Et ici? Y a rien. On a un objet ici. Oh là, c'était 31 pieds sautés! Bien! J'aime! Attendez, qui peut la prendre, pied sauté? Sans puissance! Alors, y a Foudre X et Sablaireau. Ok. Bah je garde pour plus tard. Les éruptions volcaniques prouvent que la Terre est en vie. Bah bien sûr, oui. Toujours l'intimidation qui fait plaisir. Allez, petit pied brûleur. Ultima Washi quand même. Hein. Bon, ça va, j'ai plus ou moins le niveau. Je suis au niveau 24. Hein, là. Je vais en profiter pour déposer les autres Pokémon, hein, bien sûr. La chaleur qui fait ici me fait somnoler. Battons-nous pour me faire rester debout. Waouh. Te faut ça, toi? D'accord. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner, comme d'hab. Alors, Coxy, Tengalis. Oh, Tengalis, quand même. Voyons voir. Voyons voir, là.
Alors on va faire pied brûleur sur Tengalis et une attaque vol sur Coxie. C'est-à-dire une attaque physique, c'est-à-dire qu'on n'attaque pas dans le spécial, c'est-à-dire parce que Coxie a une défense spéciale élevée, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que vous comprenez, j'arrête de dire ce que, c'est-à-dire voilà. Et j'arrête de dire de ouais, bon bref. Le vampire, il a pas fini sa nuit. Cette expression est-elle bien placée? Je ne sais pas. En tout cas, nous avons un Eoko, niveau 19, qui provoque un sable volant. Et du coup, on va changer de Pokémon en ce qui concerne Alucard. Oh non, Rayon Lune. Enfin, tu refais Rayon Lune sur le peu de PV que t'as. Et sous la tempête de sable en plus. Coup de corne, ça va. Allez, pied brûleur, ça devrait le mettre KO normalement. Oh, bah oui, ça le met KO avec la tempête de sable. Trop lolololol. A plus de cap humain. Oh là là, il se passe 36 000 trucs hein, dans un tour. Allez, et les canons, YOLO. Voilà, ça passe. Ça fait le troisième et les canons que ça passe de suite. Comme quoi, il faut faire confiance. Hein. Eh ben voilà. Tu es en train de rêver. Et nous, on va arriver à Aotekia. Et voilà. Ta-na-na. Alors, bienvenue au centre Pokémon. On les soigne. On va parler un petit peu au PNJ. Hein. Enfin, après ça, je vais faire un petit peu de montage pour ça. Je verrai bien. Oh, bonjour. Qui es-tu? Alors, tu t'appelles Neil Linkos, dresseur apparemment. Alors ouais, c'est toi qui s'occupe de la gestion des stocks des Pokémon. Tu t'appelles Annette. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ouais, on est quand même assez riche. On va s'acheter 11 Super Balls parce que c'est comme ça. Des Super Potions, on va en prendre 11. Antidote, on va en prendre 3. Non, pas tout ça quand même. Quelques antiparons, non. Super repousse, ça m'intéresse. On va en prendre 10. Et je pense qu'on est bien équipé. C'est à cause d'Annette, ça. Non, pas ici. Alors, du coup, on va les déposer. Et ouais, ah oui, on avait capturé ces Pokémon-là dans le précédent. Donc lui, il est discret de nature et c'est pas terrible, du coup. Ouais, c'est pas terrible, ça augmente son attaque spéciale et ça baisse sa vitesse, malheureusement. Il a quand même de bonnes attaques, mais bon, voilà. Oh, rigide! Ah ouais, mais ça aurait été bien en 4G parce que Ténèbres et Glace sont des types spéciaux. Ah ouais, mais il a de bonnes attaques. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bon, bah, on va déposer nos deux Pokémon. Hop. On va laisser Sablero. Quoique non, on va pas laisser Sablero. Je l'entraînerai. Alors, si je chope pas des Pokémon plus puissants, je l'entraînerai peut-être pour le prochain épisode. Et il fera son intégration dans l'équipe. Enfin, il intégrera l'équipe. Je ne sais pas si ça se dit, ce que je viens de dire, mais bon. Ah, je m'en doutais qu'il y avait un truc ici. Je m'en doutais à 1000%. Bon, peut-être pas 1000%, mais quand même. Le Cosmo, professeur Cosmo, d'accord. Bah écoutez, on va aller ici et après je pense qu'on peut sortir de la ville. Ah, le maître des capacités et... Attendez. On a des écailleurs. Oui, on a une écailleur. Excellent. Oh là là, attendez. N'ose t'en faire. Ah ouais. Ouais, bah on va arrêter. Ok, bah on va regarder pour Foudre X. Tonnerre. Il y a Tonnerre qui peut réapprendre. Attendez là, parce que... Et Charthor. Oh mon dieu. Vous avez vu les attaques? Lance-flamme. Alors écoutez, je vais être économe, mais... Ah, tonnerre, tonnerre, ouais, mais non. Je vais garder. Oh là là,
Excellent, on a une écaille cœur en plus. Est-ce qu'on en a plus d'une écaille? Plus d'une écaille cœur? Je ne sais même pas en fait. Ah, maison du Pokémon maniaque des fossiles, ouais, ok. Mon grand frère, ok, c'est une maniaque, d'accord. Tiens, prends ça. Oh là, c'était 28 tunnels, mais ça sera pas un tunnel du coup. Ok, bah écoutez, c'est quoi comme c'était du coup? Ténacité, ok, c'est nul. Mais vraiment, c'est nul, très très nul. Tout simplement. Bon bah écoutez, on va pêcher un Pokémon. On va pêcher un Pokémon. Et pour cela, nous allons utiliser une canne. Alors par contre, non. On va mettre Alucard en premier. Et cette fois-ci, on va pêcher ou pas? Allez, si on va pêcher, ouais. Allez. En espérant un bon Pokémon là. Rien de rien. Rien de rien. Rien de rien. Rien de rien. Ça commence à m'inquiéter là. Rien de rien. Y a vraiment rien de rien? Oh, ça mord! Bah oui, ça mord! Et ça va être le Pokémon Tilton. Bah, on est obligé de le capturer. Ouais, c'est pas génial. Bon, bah écoutez, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc, Super Ball, go! On a des faibles balls qu'on peut tenter. Et de 1, et de 2. Ah bah non, ça marche pas. Oui, si tu me fais rugissement, ça va pas aller loin. Hein. On va utiliser une faible balle. Et de 1, et de 2, et de 3. Ah bah voilà, il est faible, donc voilà. Tilton, bien. Pourquoi pas, écoutez. Hein. Alors, on va donner un surnom et je vais l'appeler tout simplement Coton. Allez, hop, voilà. Comme ça, on s'embête pas. On va regarder ce qu'il vaut. Alors, voyons voir. Gentille nature, ouais, c'est pas génial. Ok, pistolet à eau, il a tranchère, il a paresse. Il est pas mal hein, sous ses airs de petit faiblard là. Il est pas mal. Je vais le déposer au PC. Bon, allez, on va faire un dernier combat et on va s'arrêter là parce qu'en fait j'ai presque plus de batterie. C'est ça en fait le truc. Mais bon, je vous promets que le prochain épisode sortira très vite après celui-ci. Donc voilà. C'est histoire de me rattraper. Chut. Allez, Gobou. Ah, plus de Gobou. Ça serait bien, genre, à niveau 25 pour Foudre X dans cet épisode. Bon, non. Ok, bon, bah écoutez. Est-ce qu'on s'en fait encore un? Ah, attendez, lui. Il peut nous enseigner hurlement. Ah, ouais, mais non. C'est une CT. Ok. Alors, hurlement. C'était 0,5 poudreuse. Ouais, c'est pas génial. Et personne ne peut la prendre. Bon, on va faire vraiment un dernier combat. Non. On va faire ce combat-là, ce combat double, dans le prochain épisode. Bon, bah voilà. J'espère que ce petit épisode, entre guillemets, vous aura plu. Dans le prochain épisode, il arrivera très vite. Hein. On fera la route vers le site Météor et j'espère que ça passera bien. J'entraînerai peut-être de prochains Pokémon qui rejoindront l'équipe. Haha, mystère! On verra bien. Allez, on se retrouvera pour le prochain épisode de cet Alpha Lock Random. Bye tout le monde!